Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Bon tiens, ça y est, il n'y en a quasiment plus ici. Il reste 45 ferrailles. Je trouve vraiment pas le fun dans ces jeux. Et mes carottes continuent d'augmenter malgré ça? Incroyable. Ah non, ça y est, mes ressources en blé et en farine commencent à prendre enfin une baffe, quoi. Il était temps? Il était temps? Echo, non, je le connais pas, lui. Mais il me semble que je l'avais regardé et je sais plus ce qui me plaisait pas dedans. Oh, le bain de boue qui est pris d'assaut, quoi. Ah ouais, quand l'eau coule, le bain de boue, il est vraiment pris d'assaut. Trop marrant. On va manquer de planches. On a des patates en stock, sérieusement? Ah ouais. Tu peux jouer avec les viewers, d'accord. Ouais, mais tu sais, des fois, un bon jeu solo, moi j'aime bien hein, aussi. Hein. Un bon jeu bien solo que des familles, je suis pas contre non plus, des fois. Hein. Attention. Hein. Bon, on a mis en pause un petit peu le bâtiment ici pour construire tout ça, là. Et les pauvres, ils sont pas au bout de leur peine, on dirait. Ah ouais, le stock de bois qui s'est pris une mûre, forcément, puisque tout le bois part là-dedans. Oh, il n'y a pas d'énergie, vous le faites exprès, les gens. Ah ouais, j'ai 105 chômeurs ici. Ici, j'ai 105 personnes qui n'ont rien à faire. Trop marrant. Et c'est pas fini! Il n'y a plus de planches, c'était pour ça. Ouais. Je pensais que l'importation de planches tiendrait mieux plus que ça. Ouais, ils vont le construire petit à petit. Maintenant, ils vont construire ici, c'est marrant. Après, le seul jeu de baston auquel je joue en toute franchise, c'est Escape from Tarkov. Il y a ce jeu-là que j'aime beaucoup, mais parce qu'il est extrêmement difficile. Je l'aime parce qu'il est extrêmement difficile, en fait. Ah ouais, les sources d'eau, là, ça va commencer à manquer grave. Lol. Incroyable. On est à 480 habitants pour l'instant. Et je veux juste au moins atteindre les 500. Je pense qu'avec ça, j'atteins les 500 facilement. Mais vu que j'ai mis ça en prio et que le bois, ben, on n'en a pas beaucoup. Enfin, les planches, du moins. Dans le pays, là, on n'en a pas beaucoup. Faut le temps qu'elles arrivent, quoi. Et c'est vrai que c'est eux qui sont censés me les produire, les planches, là, ici, là. Ici, ils me produisent les planches et le bois.
Les rondins, ça y est. Les planches arrivent, on dirait. Ah, Evil Genius. À voir, Vantid, à voir. Du coup, à voir. Ah, du coup, on est d'accord que ça y va jusque là-bas. Pour l'instant, oui. Oh, ici, c'est un limite. On a un limite ici. J'adore. J'ai fait tellement vertical que, au niveau du centre du district, la longueur de route ne va peut-être même pas me permettre d'arriver jusqu'en haut. Je trouve ça trop fun. D'accord. Ben pourquoi pas les essayer à l'occasion. Oh l'eau. Oh l'eau, comment elle descend ici. Oh l'eau, comment elle descend. Il y aura pas de mal avec toutes ces pompes en plus, hein. Quand t'es adulte, 50 enfants en tout, t'es toujours tout sur la map. Ah, par contre, c'est une mocheté incroyable. J'adore. J'y referai peut-être un sur le cul aussi à ça, la boum là-haut là. J'y referai peut-être les trois là. Ah ça y est, ils font les pompes à eau. Ah, ils doivent quand même stocker l'eau là-dedans, hein, pour petit pain. J'essaie de remonter le stock d'eau, mais j'y arrive pas, trop marrant. C'est même pas dit qu'on arrive jusqu'au bout. Parce qu'il faut savoir que depuis le centre de district, vous avez un nombre de routes limité. Et donc, si vous avez trop de routes, les mecs, ils y vont plus à force. Et là, j'avoue, je sais pas si j'ai pas dépassé le nombre de routes limité. Oh, le sandwich géant que j'ai fait, quoi. Trop marrant. Trop marrant. On a plus de planches, on a plus de serre, on a les graines de peur, on s'en fout, il y en a plein là-bas. Allez, c'est l'heure de bosser, mes chers castors. Oh l'eau, comment on est tellement bas. Trop de barres.
Ah, on remonte, hein? On remonte, on remonte, hein? Ou pas? Oh là là. Du coup, il est vraiment possible de monter extrêmement haut au niveau des habitations. C'est vraiment intéressant à savoir, je trouve. Ouais, nouvelle sécheresse. Ouais. C'est vraiment intéressant, je trouve. C'est un test que je voulais faire, hein. C'est vraiment un test que je voulais faire, hein. Du coup, là, j'ai multiplié par deux le nombre de camionneurs ici pour amener l'eau directement aux citernes. Elles sont vides. Les citernes sont vides. Mes citernes sont vides. Waouh. Waouh. J'avais jamais eu le cas où c'est que mes citernes étaient vides. Intéressant. Bon, en même temps, mes citernes sont loin des pompes, hein, donc ça m'étonne pas, mais de là, de les avoir vides quand même. Ah ouais, j'ai quasiment rien en stock d'eau, trop marrant. Ils sont encore en train de construire là-dedans en plus, hein. C'est que j'en ai rajouté des conneries là-dedans en plus, hein. Ils sont pas arrivés à absorber l'afflux. Vraiment, ils sont pas arrivés à absorber l'afflux. Sachant qu'en plus, il y a ça là, bah, qui nécessite de l'eau, qui n'arrive plus à se fournir. Oh. Incroyable. Donc vraiment, en faisant mon pâté de maison là, je suis en train de raser ma ville. Cette ville-là risque de partir en décrépitude. Bon, après, j'ai toujours une ville de secours ici, hein. Il y a une stabilité absolue. Pas si absolue que ça. Ces ressources en nourriture sont en train de chuter totalement. Bon, Asperger, au pire, elle sera dans la famine. En fait, j'ai aucune. Ah si, celle-là, elle est stable. Mais là, c'est en train de chuter uniquement à cause de l'eau, quoi. Parce que l'eau, à la fin de la journée, il n'y en a plus. J'ai plus aucune eau de stocker. C'est fou. Avec toutes ces pompes que j'ai là, j'ai aucune eau de stocker. Par contre, en termes de nourriture, je descends pas dans Iota. Lui, il a fini la ferraille ici. Ça me va. Je pense qu'ici, on va arrêter d'envoyer du pain dans District 4 parce que... On a tellement de farine de blé encore. On n'a pas assez de gens ici ou quoi? Bah si pourtant. Bah, alors pourquoi vous produisez pas davantage ici? J'ai rajouté une boulangerie, on dirait qu'elle sert à rien. Pourtant, elle est pleine en pain. Ah, parce que vous êtes plein en fait. Vous descendez parce que là ici, l'entrepôt il est plein. Ok, d'accord, je comprends mieux.